t'as des choix. Maintenant, les gars, on va tomber dans le top des coupes les plus compliquées, voire impossibles, voire hyper archi chiant à gérer. Je vais vous montrer ça. Tu vois, par exemple, cette coupe, elle est très tendance, mais elle est compliquée à réaliser. Quoi, elle n'est pas en elle-même compliquée à réaliser, tu vois, parce que c'est quoi? C'est un fondu, tu vois, tu fais les contours, voilà. Mais en fait, si tu veux, ça c'est un mec, je vais te montrer. Hein. En fait, je veux que tu comprennes, parce que putain, je suis pas un menteur, les gars. C'est-à-dire que si t'aimes cette coupe, on peut te la faire. Mais si tu veux, derrière, faut que je t'explique comment ça fonctionne, tu vois. Pour pas que tu sois déçu après, tu vois. Je vais t'expliquer. Ça, c'est un vrai fondu. C'est un mec qui a des cheveux. C'est-à-dire, je te montre comment ça fonctionne. Et après, je vais te montrer sur un mec avec un complément capillaire pour que tu comprennes bien dans ta tête les coulisses, tu vois. Donc, le mec, il a les contours, tu vois. Il a été rasé en haut, tu vois, on lui a raccourci les cheveux, tu vois, et il a tapé un fondu sur les côtés. Franchement, tu peux faire ça, cette coupe, réalisable, et c'est un jeu d'enfant à n'importe quel mec qui a des cheveux. Maintenant, je vais te la montrer sur un gars qui a des compléments capillaires, qui a un complément capillaire. Attends, je te montre aussi cette photo, donc ça, c'est un Renoir, c'est pareil. Donc là, il a des cheveux, c'est pas un complément capillaire, c'est ses vrais cheveux. Donc contour, fondu bas. En progressif, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, je connais pas non plus tous les termes maintenant, et c'est des termes qui n'existaient pas avant. Maintenant, tout le monde t'invente des nouveaux mots, tu vois. Mais bon, en gros, il a un fondu, le mec, tu vois, et on lui a fait les contours, tu vois. Voilà, donc ça, c'est une vraie coupe. Regarde bien, observe bien, cligne pas des paupières. Je vais te montrer ce que ça donne avec un complément capillaire. Donc, ce qui est dommage, c'est que dans la photo, je peux pas détailler avec mes doigts pour que tu comprennes. Ouais, je peux pas te le montrer. Mais si tu analyses bien la ligne frontale, il y a beaucoup de bistouri, il y a beaucoup de petites technologies, de petits secrets. C'est-à-dire, le petit secret, c'est que si tu veux, concrètement, on lui a mis un petit peu de la peinture, en quelque sorte, de la peinture capillaire, tu vois, qu'on utilise justement en tant que barbeur pour camoufler, pour embellir, pour sublimer la coupe, tu vois. Donc, en fait, on lui a retravaillé sur les contours, vu qu'il a pas de cheveux, avec ça. La ligne frontale, elle a été travaillée aussi avec de l'espèce de peinture, tu vois. L'arrière, pour bien camoufler et dissimuler le complément capillaire, c'est pareil. Ça fait beaucoup de trucs, les gars. Ce que je veux dire par là, c'est que cette coupe, on peut te la réaliser. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, faut que tu acceptes le fait qu'on va te mettre de la peinture. Quoi, de la peinture capillaire, je sais pas, j'ai pas le mot en tête, les gars. C'est peut-être pas très vendeur de... Oui, donc c'est pas très vendeur de dire peinture, mais tu vois, regarde, quand tu regardes bien de plus près, c'est pas top top. C'est pas top top, les gars. Que ça soit moi, que ça soit un tel, que ça soit un tel, que ça soit un tel, c'est comme ça que tu seras. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de te le dire. Il y a des gens, ils vont se dire, vas-y, moi, ça me va, tu vois. Et t'en as d'autres qui risquent de dire, ah putain, tu m'as mis de la peinture. C'est important que je te montre vraiment, les gars. Tu vois, c'est les coulisses. Moi, je vous montre les coulisses, les gars. Je suis pas là pour prendre ton argent et puis qu'après, tu repartes comme ça et que tu sois déçu. Tu vois? Donc, c'est important que tu le saches, tu vois? Donc, sans compter. Donc là, je t'ai parlé les détails, tu vois? Mais que ça soit moi ou ton meilleur, ton youtubeur favori, que tu te butes à ses vidéos, tu vois? Moi, à la différence des gens et de tout le monde, je suis transparent. Je te parle cash. Je te parle comme un ami. Je te tutoie. Je te parle comme un pote. Tu vois, donc c'est-à-dire que je te donne les meilleurs conseils et je te dis les coulisses. Je te montre les coulisses. Tu vois, ce que je veux dire par là, tu auras de la peinture un peu là, tu vois, pour te faire les contours, tu vois. Et derrière, on va camoufler, tu vois, c'est-à-dire on va tricher avec un petit peu de la peinture, tu vois, pour un petit peu camoufler, tu vois. Sans compter que la galère que tu vas avoir, c'est quand tu vas prendre ta douche, bim, on va revoir les défauts. Que ça soit moi ou qui tu veux, je te parle pas chinois, écoute bien ce que je te dis. Quand tu vas prendre ta douche, au bout d'un moment, ça va s'estomper. Et si t'es pas capable de refaire la même chose, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Tu vois, c'est-à-dire que, sans compter, en plus, t'additionnes à ça, que c'est un complément capillaire. On te retient, machin. Et on... Donc, sans compter qu'il est hyper fin. Il est fin, tu peux plus rien faire. T'es habitué à cette coupe. Donc, moi, les gars, sincèrement, même si t'aimes cette coupe, si t'as la calvitie, oublie cette coupe. Oublie cette coupe. Essaye de, c'est le moment de changer de style et de trouver un autre style qui peut te convenir. Mais évite ça. Parce que ça va un peu te pourrir la vie, cette coupe. Je te dis la vérité, cette coupe, c'est un bourbier. C'est un bourbier pour le coiffeur. C'est un bourbier pour le mec qui vit avec ça. Je vous le jure, les gars. Tu seras très bien beau gosse avec un peu plus de frisette. Je vais te montrer des coupes, par exemple, si t'aimes cette coupe. Je vais te montrer une coupe qui peut être à peu près, similaire, tu vois, mais réalisable. Mais cette coupe, quand t'as un complément capillaire, ouais, c'est beau, ouais, ça fait vendre, mais c'est un bourbier. Tu vois, par exemple, tu peux partir sur un modèle comme ça.
tu gardes quand même toujours cette petite ligne de cheveux, tu vois, qui est les tiennes. T'as un peu plus d'épaisseur. Mais l'avantage, mon gars, c'est qu'un complément capillaire, il est pas fait pour être un rat, mon gars. C'est-à-dire que, tu vois, tu payes le prix d'un complément capillaire haut de gamme, tu vois, et tu rases les cheveux, tu vois, tu rases à fond. Après, il y a une autre technologie qui est pas mal, tu vois, ça consiste en fait à te mettre de la colle sur les cheveux, tu vois, et te poser les cheveux, tu sais, des cheveux carrément sans complément, tu vois, juste des cheveux naturels collés sur ta tête. Et après, on les taille et on te fait un fond du bas. Mais ça peut être une technologie, on va bientôt le faire, nous. On va bientôt le faire, restez connectés, on vous montrera. Mais si tu veux, c'est moins bien qu'un complément capillaire. Il y a des avantages, c'est que c'est fin, tu te sens léger, tu vois, si tu veux, c'est pas mal. Bon, il y a toujours de la triche, les gars. Il y a toujours un peu de peinture, tu vois, pour essayer de sublimer et puis de cacher les trous, tu vois. Mais ce que je veux dire, l'avantage... Donc, tu vois, l'avantage, c'est que tu n'as pas de plastique. Tu vois, tu n'as pas le complément, tu n'as pas de peau, tu n'as pas de lace, tu n'as rien. Tu vois, c'est collé à même tes cheveux. Quoi, à même ton crâne. Oh, pardon, tes cheveux, ils sont partis. Depuis belle lurette. Mais oui, donc, on colle carrément des cheveux sur ta tête. Mais attention, c'est quand même propre. Hein. C'est propre. Après, il y a de la triche. On va mettre, tu vois, de la peinture, tu vois, pour... faut que je trouve le nom, parce que la peinture, c'est vraiment abusé, ça fait Picasso, mon gars. Mais bon, les gars, oh, c'est de la peinture, un peu, en quelque sorte, de la peinture. Pas aquarelle, mais de la peinture capillaire. Bref, tu mets de la peinture, contour, tout, tu... Voilà, t'es tout beau, tout neuf, mais pour quelques semaines. Quelques semaines, voilà, peut-être 2 semaines, tu vois. Donc, tu vois, toutes les 2 semaines, tu payes 100 balles, parce que nous, on va tourner autour de 100 balles, on le fera autour de 100 balles. Donc, ça peut être pas mal si t'as un anniversaire, et puis t'as envie d'être frais, t'as envie de changer, bon, allez, tu vois, tu t'offres ce petit truc. C'est bien de le proposer. Après, moi, je préfère quand même, je trouve que le complément capillaire, c'est mieux, c'est déjà de l'entretien. Donc, alors là, coller les cheveux comme... Ouais, je tiens à me défendre, les gens, ils vont me dire, ouais, il est coiffeur, il sait pas, oh, les gars, à la base, c'est ricain. Tout ça, c'est ricain. C'est les Américains qui mettaient ça sur la barbe. Ils en ont rien à foutre. Ils mettent de la teinture. Ils mettent de... Eux, ils sont dans le futur. Tu regardes DJ Khaled, tu regardes Rick Ross, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Les mecs, ils se mettent à base de peinture, teinture à même. Ils s'en foutent. Donc, tout ça, ça vient de chez eux depuis des années. Puis maintenant, ça s'est modernisé en France, tu vois. Mais voilà. Bref, voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos hors du commun. Et si vous avez des questions, contactez-moi sur WhatsApp, les gars. Vous me contactez sur WhatsApp, vous m'envoyez vos photos et je vous fais un diagnostic gratuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!